Pour tenir la grève, les syndicats comptent bien évidemment sur ce qu'on appelle les cagnottes solidaires. Un chèque de 40 000 euros a été remis ce matin en gare de Versailles Chantier. Au total, 920 grévistes vont pouvoir se partager cette somme. Ça correspond à un peu plus de 43 euros chacun. Précision sur place, Antoine Hollard, Alexia Ferré. Un chèque de 40 000 euros a été remis ce matin aux grévistes mobilisés contre la réforme des retraites dans le département des Yvelines, des cheminots et des facteurs notamment. Cet argent doit servir à compenser les pertes de salaire liées à la grève, un sacrifice financier qui commence à être important pour certains grévistes. Un facteur nous expliquait notamment que depuis le début du mouvement, il a perdu quasiment 1 000 euros. Or, les syndicats le savent, pour continuer le bras de fer avec le gouvernement, pour inscrire la lutte dans la durée, il faut impérativement trouver des solutions pour soulager les grévistes. Sans caisse de grève, impossible de tenir. Donc, c'est ce que nous explique l'un des co-gestionnaires de cette cagnotte. Écoutez-le au micro d'Alexia Ferré. Nous, on dit souvent, les possibles du 92, que faire grève sans caisse de grève, c'est un peu comme faire du camping sans tente. C'est sympa, mais ça peut être risqué. Son utilité, c'est de montrer qu'en fait, déjà, il y a plein de monde qui soutient les grévistes, contrairement à ce qu'en raconte le gouvernement. Et puis que, en fait, le gouvernement, il va pas pouvoir attendre tranquillou que les vacances scolaires de Noël passent pour essayer de briser la grève. Il faut qu'il retire son projet. Et donc, ça sert à donner un coup de pouce, pas à payer la grève, mais à donner un coup de pouce conséquent. Cette cagnotte a été lancée le 5 décembre et elle est en train de battre tous les records. 650 000 euros déjà récoltés et les dons continuent d'affluer de toute la France. Les syndicats y voient un signe d'encouragement, le signe que leur mouvement est populaire. La particularité de cette caisse de grève, c'est qu'elle s'adresse à tous les salariés, quel que soit leur métier, qu'ils soient syndiqués ou non. Seule condition pour en bénéficier, il faut être en grève reconductible pendant au moins 2 jours.